Petit test de la voiture électrique, la Ami de Citroën. Allez, c'est parti. Bon, déjà on voit que l'habitat qui est quand même super spacieux. Moi, je suis pas dérangeant, mais limite je touche même pas le tableau de bord. Bon, ça va, monsieur le Gambré. Très bien, on est en test là. Oh, la fusée arrive. Bon, c'est un peu bruyant à l'intérieur. Comme on peut voir, le rétro intérieur est en option. Par contre, on peut voir le ciel, magnifique, fermé. Allez, on va tester ça dans la montée. A tout de suite. Bon, on va tester la vitesse maximale de la mine en quelques instants. Bon, elle est donnée pour 45 km/h, c'est ça? C'est ça. C'est évident. Donc, pas le droit d'aller vite. Allez, issue. On va atteindre la vitesse maximale d'ici peu. Normalement, après slowdown, on va être plus ou moins tranquille. Belle descente. On s'envole. 60, 61, 62, 63, 64. Je pense qu'on n'ira pas au-delà. À 64 km/h. Sachant que c'est un moteur de 8 chevaux. Hein. Ah, c'est quand même. Bon, maintenant on va tester la même chose, mais en montée. Ça pousse. 38, 39, 40, 41, 42, 43. Elle a du mal quand même. Hein. Ah, 44, là on arrive au plus haut de la montée. Ouais, là ça va être compliqué de faire mieux. Oulala. Oulala, il s'est fait plus. Putain. Bon, on va. Bon, bah. Prenez pas une voie à 70 avec, ça va vous faire tout drôle. Moi qu'elle apprécie pas trop la montée. Hein. Et à fond là. Hein. Bon, sur une zone 30 ça le fait, mais faut pas être sur une zone à 70. Il y a du mal. Ça va, là on est sur la zone 30. Parce qu'elle va reprendre un peu de pêche. C'est pas gay. Putain, ouais. Ah là on a canné. Hein. Je crois que la trotte électrique ça revient au même. Voilà, c'est ça. On sent le pied. Sans le pied, on va pousser. Non, ah, on va y arriver. Ça permet de profiter du paysage. Ah, ça y est. Ah, on reprend un peu de vitesse par exemple. Il y a un coup de pêche qui revient là. Bon, alors pour sortir. Alors, dans un sens, on meurt. Regardez les enfants, dans un sens, on meurt. Faut aller. Bien là, voilà, là. Et là, on meurt. En gros, si on saute. Voilà. Et de l'autre côté, il faut aller chercher la languette chez papa, qui est ici. Et voilà. En fait, c'est des portes inversées. Hop. En fait, c'est un peu un cube, hein, c'est pas sûr. Vous avez exactement la même face. Ah, c'est très très esthétique. Avec les gros rétro. Voilà la voiture du futur. Pour les moins de 16 ans.